Raoul Tormès et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Et on commence la journée avec un temps qui est dégagé, un très joli coucher de lune, une température extérieure à 17 degrés, une température de l'eau à 20-21 degrés. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 31 degrés. On est sur une marée qui commence à descendre. Le plein bas est à 12h25 avec des coefficients de grande marée 104. Sur ce début du descendant, le vent est offshore avec un secteur est. Il est modéré. Il y a deux beaux forts. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. La houle est super propre, très bien réveillée ce matin. C'est la houle longue de l'ex-ouragan Daniel. 12 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest. Elle est en atténuation. On a 80 cm en déferlement régulier. 1 mètre à 1,20 m sur les séries qui rentrent fréquemment. 1,20 m plus établi sur les grossettes. Des conditions générales qui sont parfaites. C'est super joli, hein, en ligne, propre, joli, mignon. Bon, ça déroule pas à la perfection, mais sur un bonbon, il y a des très jolies conditions. Moi, je mets situation de surf alerte ce matin, car c'est très joli, c'est superposé. Comparé à hier, ça n'a rien à voir. Il y a déjà des surfeurs qui rentrent à l'eau et déjà pas mal de monde sur les parkings. La barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas sélectives. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va lentement s'amortir avec du vent offshore qui va se maintenir. La bouée du Cap Ferret est à la baisse à 1m31s, donc les prévisions à 9h c'est 1m20. Houle ouest à ouest, nord-ouest, 12 secondes de période, vent d'est à 2-3 beauforts. À 13h, légère baisse, 1m, 1m20. Houle ouest à ouest, nord-ouest, 11 secondes de période, vent d'est à 3 à 4 beauforts. Et à 17h, 80 cm, 1m. Houle ouest à ouest, nord-ouest, 11 secondes de période, vent d'est, 2 à 3 beauforts. Situation surf alerte toute la journée. Très jolies conditions générales, mais il faudra s'orienter sur les meilleurs bancs. Avec le seul truc un peu gênant aujourd'hui, un peu comme hier, c'est qu'avec ces grandes marées, les conditions sur les bancs de sable changent rapidement. Mais c'est offshore, c'est en ligne, c'est parfait. Prochain point, 8h10.